Hello les filles, ça va? J'espère que vous allez bien. Je vous vois aujourd'hui avec un petit haul de Diamond Painting. Oui, j'ai craqué sur une boutique, sur la boutique Fincelle. Je vous mets le lien sur l'écran et bien sûr le nom sur l'écran, pardon, et le lien dans la barre de description. Et je veux essayer de mettre un lien pour chaque article. Et bien sûr, chaque fois une petite photo comme ça, vous voyez la photo du produit que j'ai pris. Mais on va commencer tout de suite. En fait, j'ai vu sur une chaîne les magnifiques toiles. Du coup, j'ai craqué et j'ai passé une petite commande. Et je suis super contente parce qu'ils sont super, super sympas. Et la livraison, c'était vraiment assez vite, moins de 2 semaines. Du coup, ça c'est vraiment vite. Ils ont arrivé tous comme ça. Voilà, ils ont enlevé ça comme ça et celui-là ici dans une autre boîte. Et on va commencer tout de suite. Du coup, on va commencer avec celui-là, le grand. Je mets ça sur les côtés. Et dans celui-là, dans le grand, il y a une toile que j'ai beaucoup aimée. En fait, je vous montre ici la petite image. Et de toute façon, je vais essayer de vous mettre des images aussi à l'écran. Je ne sais pas si ça se voit bien, mais en tout cas, je vais essayer de vous mettre une photo aussi. Et quand j'ai vu ça, je dis oui, oui, il me faut ça parce que j'ai adoré, j'ai adoré. Hop, il fait le mise. Et voilà. J'adore, 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 j'adore. Je trouve tellement jolie. Je trouve magnifique cette toile. Du coup, quand j'ai vu cette toile, je dis oui, oui, il faut absolument. Il fait une mesure de 50 sur 50. Ici, vous avez le numéro de la toile. Et c'est avec des diamants ronds. Et au total, on a 24. Des couleurs différentes. Ici, on a le tableau comme d'habitude avec le numéro, le symbole et le DMC qui est là. Voilà. Je sais pas votre opinion, mais moi, j'adore, 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 j'adore. Et celui-là, je veux le faire et je veux le mettre ici dans ma pièce. Comme ça, il est dans ma scrap room. Voilà. À l'intérieur, on a le kit comme d'habitude avec la barquette, la colle et le stylo. Et ici, on a tous les diamants. Voilà, on a beaucoup de noir parce qu'on a beaucoup, beaucoup sur les côtés. Mais on a aussi des couleurs comme ça. On n'a pas des diamants spéciaux ou de, des AB, on n'a pas. Mais on a beaucoup, beaucoup de couleurs trop sympas. Je vous montre un peu comme ça. Voilà pour les couleurs. Du coup, j'ai de quoi faire. On travaille. J'ai de quoi finir l'année et commencer le prochain année en diamond painting. Après, on a cette petite toile. Le reste, tous les toiles, ils font 30 sur 40. Celui-là, il fait 30 sur 30. Et l'image, c'est celui-là. Ici, j'espère que ça se voit bien. En tout cas, je vais essayer de mettre l'image qu'il y a sur la boutique sur l'écran, comme ça, ça se voit mieux. En fait, c'est une petite dame dans une forêt. Et j'aime beaucoup aussi. Comme d'habitude, on a le tableau ici avec les numéros. On a 22 couleurs, le symbole et la couleur DMC. La colle, il est vraiment très bien. Ça colle super, super, super. Du coup, ça, c'est bien. On a le kit comme d'habitude. Et ici, on a les diamants. Pareil, c'est une petite toile. Comme ça, on peut faire vraiment super vite. J'aime les grandes toiles aussi. Mais quand je commence une grande toile,
vous pouvez être sûr que je fais deux, trois petites à côté, parce que si je travaille juste sur une grande, je peux pas. Il faut vraiment de temps en temps de champ que je change, parce que sinon j'arrive pas. Et pour ça, j'aime beaucoup avoir des petites toiles aussi. Et en plus de ça, comme sont beaucoup plus vite à les faire, quand on finit une comme ça, même si la grande il n'est pas du tout finie encore, ben quand même on est heureuse qu'on a encore une petite finie. Après, j'ai pris celui-là. Celui-là, c'est un petit paysage pour la Fantasy Forest. Celui-là, il était à 2,99. Pareil, avec des diamants ronds. En fait, tout, c'est avec des diamants ronds, tout ce que j'ai pris. Celui-là, c'est Fantasy Nature. Il s'appelle Fantasy Nature. Il a une taille de 30 sur 40. Et il a coûté 3,99. Le prix, c'est 3,99. Et ici, on voit quand même bien le paysage. Pour ma part, c'est un paysage hivernal fantastique. Je l'adore. Je le trouve vraiment super, super joli. Ici, on a la petite image. Et ici, on a le tabel, comme d'habitude, avec les numéros. On a 25 couleurs, le symbole et aussi les numéros DMC. J'aime beaucoup parce que au niveau des symboles, ici, on a que des lettres et des numéros. C'est tout. Il n'y a pas de petits points, il n'y a pas de symboles très compliqués. La colle, super, comme sur l'autre aussi. Sur la grande aussi, comme symbole, on a que des lettres. Pareil, facile. Et ici, pareil, on a que des lettres. Ah, on a des petits symboles aussi sur celui-là, sur la petite. Mais sur la grande et sur celui-là, on a que des lettres et des numéros. Celui-là, pareil, ça va être une toile super rapide à faire, vite fait. Et je crois que le résultat, il va être génial. Parce que déjà, comme il est imprimé, il est sublime, sublime, sublime. On a le kit comme d'habitude. Et ici, on a les diamants aussi. Dans des sachets, pareil, comme ça, qu'il faut transférer après dans des sachets zip. Ça, c'est un peu dommage qu'il ne met pas un sachet, des sachets zip. Et c'est un peu dommage qu'il ne met pas une petite papier avec l'image. Mais quand même une petite, parce que des fois, ici, on voit pas trop bien l'image. Du coup, ça, je trouve un peu dommage, mais après, c'est pas quelque chose de grave. Non plus, pas du tout, du tout. C'est juste que moi j'aime bien quand j'ai une petite image comme ça, je peux montrer un peu plus. Et comme ça aussi, je peux garder dans mon carnet l'image. Comme ça, je sais que j'ai fait telle toile de cette marque et tout ça. Mais c'est quand même, c'est pas quelque chose de grave parce qu'on peut toujours imprimer la petite toile, la petite image qu'il y a sur la boutique et c'est bon. Le prochain. Celui-là, c'est une petite maison. Il y a plusieurs maisons dans un arbre. J'ai beaucoup aimé celui-là aussi. 30 sur 40 au niveau de la taille. Et le prix, 3,49. Je dis encore une fois, c'est pas du tout en euros le prix, c'est en lire. Du coup, il faut convertir, mais c'est pas une grande différence. Voilà. C'est environ de 3 et quelques aussi. Et pareil, j'ai beaucoup aimé parce qu'on a beaucoup de tonalités de vert magnifiques. Au niveau des symboles, on est sur des lettres et on a 22 couleurs au total. Toujours le tabel, la taille et ici l'image. Voilà, il est comme ça. Mais je vous montre comme ça l'image. Ça se voit très bien de quoi je parle. Voilà. On a des petites maisons ici dans l'arbre. On dirait que c'est un petit des maisons de fées. Pour ça, j'ai beaucoup aimé parce qu'on reste toujours dans le monde fantasy. Avec la lune et tout, c'est magnifique, 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 magnifique. J'ai envie de tout commencer, franchement. On a toujours le kit avec et aussi beaucoup, beaucoup de diamants.
Ici, on a toutes les couleurs. Et c'est beaucoup de diamants foncés parce qu'on a beaucoup de couleurs foncées. Voilà. Beaucoup de vert, beaucoup de violet, noir. Celui-là aussi, ça va être génial à faire. Du coup, franchement, maintenant, j'ai envie de tout faire. Et je sais pas avec laquelle je veux commencer. Aucune idée. J'ai une idée. Je veux commencer avec les toiles de Noël, bien sûr, parce qu'on est dans la période. Parce que, bien sûr, j'ai deux toiles de Noël aussi. J'ai celui-là avec le Père Noël. Qui, franchement, tout, il a commencé avec les deux toiles. Et quand j'ai mis dans le panier les deux toiles, je me suis dit, mais on va pas rester quand même sur deux. Et après, j'ai tombé sur la grande. Je dis ça, je veux absolument parce qu'il est magnifique. Et après, c'est parti comme ça. 2, 3, 4. Et on est arrivé à 3, 5 petites et une grande. Voilà, bah, c'est comme ça. Comme pour tout le monde. Et la grande, il est comme ça. En fait, on a le Père Noël avec le sapin. J'aime beaucoup déjà l'imprimé. Il est vraiment très, très, très bien imprimé. J'adore, j'adore. Parce qu'on voit vraiment tous les détails qu'on regarde comme ça sur la toile. On voit vraiment tous les détails. Il n'y a pas besoin de dire, mais c'est quoi ici? On ne voit pas trop. Franchement, on voit tout. Au niveau des symboles, on reste toujours sur des lettres. Du coup, facile, facile à repérer. On a 24 couleurs au total. On a les DMC aussi à côté. Et l'image, c'est celui-là. Mais il n'y a même pas besoin de regarder la petite image parce qu'on voit vraiment dans la grande de quoi on parle et quoi on travaille. La colle, toujours. Il n'y a même pas besoin de vérifier. Il est super. Du coup, cette boutique, c'est un de boutiques qui va rester tout le temps dans la barre des descriptions parce que c'est vraiment super jusqu'à maintenant. On a toujours le petit kit qui s'assert tout le temps. Et ici, on a les diamants. On est sur des couleurs comme ça. Bien sûr, on a du vert parce qu'on a le sapin. On a le rouge pour le Père Noël. Et voilà, je ne veux pas ouvrir les petits diamants parce que tous ces diamants grands, ça change juste la couleur. On va mettre ça ici tout de suite et après je vous montre la dernière. Et après on a fini. Voilà, et celui-là, on va rester toujours sur la thème Noël. Ah, celui-là, il était un peu ouvert. Voilà, j'espère qu'il ne s'est pas abîmé. On va voir tout de suite. Mais cette fois, c'est un bonhomme de neige à la porte. Au niveau de taille, c'est pareil, 30 sur 40. Au niveau du symbole, on est toujours sur des lettres. On a 24 couleurs et on a le DMC ici. La colle, nickel, rien à dire. On va faire juste un peu comme ça et recoller. Parce que j'avais l'impression qu'il était décollé un peu. Et je vais faire sur ce côté aussi. Et comme ça, après, il va rester droit. Voilà. Et c'est beaucoup plus facile à voir l'image. Comme toujours, très 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 bien imprimé. Franchement, rien à dire sur ça. Vraiment, il n'y a même pas besoin de voir la petite image ou mettre une image à côté sur l'écran parce que ça se voit très 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 bien qu'on a ici une petite couronne sur la porte, qu'on a la porte, qu'on a ici des guirlandes, qu'on a ici le petit, la petite lumière, le Père Noël, il a le Père Noël, le bonhomme de neige, il a un petit oiseau ici. On voit vraiment tous les détails, il est tellement bien imprimé, waouh, franchement, waouh, rien à dire. J'adore, j'adore, j'adore toujours le petit kit avec et les petites strass aussi ici. Du coup, pareil, une toile qui on peut faire vraiment vite parce qu'il n'y a pas beaucoup de couleurs et on va aller vite sur des toiles comme ça.
Ça, c'est tout pour aujourd'hui, les filles. Je vous mets, comme d'habitude, le lien de la boutique dans la barre de description. Je vous mets le lien de chaque produit dans la barre de description. Et j'espère que vous trouvez les vidéos comme ça utiles. Et j'espère que ça vous aide. Comme vous voyez, en fait, au moins, vous savez à quoi ça ressemble, l'étoile de cette boutique. Je vous fais, comme d'habitude, plein de bisous. Je vous mets ça après. Je vous fais, comme d'habitude, plein de bisous. Et je vous dis à la prochaine. Bisous. Bye bye.